Yipour les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, papa, ça va super. Aujourd'hui, les amis, excusez-moi, une nouvelle vidéo dans laquelle on va déguster les pâtisseries du luxe, d'accord? Les pâtisseries de Cyril Grolard. Grolet, excusez-moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans l'intro, dans la miniature de la vidéo, on va tester ça. Des pâtisseries de luxe, les gars, ça coûte 17 euros l'unité. Il y en a un des articles qui coûte 20 euros, les amis. C'est un peu à la mode, on appelle ça des trompe-l'œil. C'est comme des vrais fruits, mais c'est pas des fruits. Et les amis, d'ailleurs, on va faire un petit prank là tout à l'heure. À la fin de la vidéo, je vais ramener mes parents et mon frère, ils vont goûter les pâtisseries quand même. Les gars, on va leur faire goûter. Alors, c'est pas tout le temps qu'on achète des pâtisseries de luxe. Et je vais demander à mon frère de fermer les yeux. Et je vais demander de croquer dans le fruit. Et ce sera ça, le fruit. Là, je viens de penser maintenant, faire un petit prank, ça fait plaisir. Donc pour le watch time, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les amis. Les amis, sans plus tarder, je vous sors les boîtes. Donc par contre, le packaging est vraiment beau. Après, tu me diras pour 17 euros le fruit, c'est bien, d'accord. Les gars, je sors là de la boutique. J'ai conduit comme un pizzaiolo. Ça veut dire les virages. Non, on a respecté les feux rouges. Hein. Non. Je vous ai montré le sac ou pas? Le sac, c'est ça. Il y avait deux boîtes et une grande boîte comme ça. Elle est vraiment belle. Hein. Un jour, on fera du no face comme ça. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est ma marque de vêtements. Vous êtes trop nuls, ceux qui n'ont pas la ref. Hein. Et ouais, même à l'intérieur et tout, on dirait comme de l'or. Les amis, sans plus tarder, je vais faire des petits plans stylés sur le premier fruit qu'on va déguster ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Alors les amis, effectivement, c'est pas trop un fruit finalement. J'ai pris le premier truc, on va laisser les fruits du coup pour la suite. Donc ça, je sais même plus ce que j'avais commandé parce qu'en gros, pour vous expliquer, j'ai fait du click and collect. Ça veut dire j'ai commandé sur son site 2 jours avant. Et ça fait à peine 2 jours et j'ai déjà oublié. Mais je crois que ça ressemble à... Pour moi c'est une noisette les gars. Une noisette avec du nappage d'or. Ouais, un délire comme ça. Donc attendez, je vais vous poser juste ici les gars, comme ça vous allez voir la dégustation en elle-même, hein. D'accord, je vais mettre comme ça vous allez tout voir. C'est bien, 1, 3, let's go. On va couper le délire ensemble. C'est tout dur. Clippez pas ça et faites pas de trucs bizarres sur TikTok, je vous vois arriver vous. Oh. Oh. Ah ouais. Alors, 1, 3, let's go, on va goûter ça, regardez. Petite cuillère comme les youtubeuses make-up là, je sais pas quoi là. Focus wesh. Vas-y, c'est pas grave, c'est bien. 1, 3, let's go les gars. Je crois que j'ai commencé par le meilleur. J'ai vu des avis sur Twitter comme quoi la pomme etc, c'était pas les meilleurs trucs. Il est vraiment bon celui-là les gars. Oh mais attendez, regardez à l'intérieur, il y a un cœur fondant croix caramel. Les gars, ici, on est honnête, il n'y a aucune surréaction. C'est pas parce que c'est un truc cher que c'est bon, mais c'est vraiment bon là. Pour le coup, les gars, c'est vraiment bon. Par contre, faut pas que je mange trop parce que faut que j'en laisse pour les autres après qui vont tester. Et les gars, vous savez quoi? Comme on n'est pas encore dans les fruits, on va tester le cookie XXL. Celui-ci, il a l'air vraiment très bon, mais en fait, ils ont tous... Oula, la caméra se casse la gueule. Oula! Oh mon dieu, ils ont tous l'air vraiment vraiment bons les ces trucs à Cyril Grolet. Hop là, c'est parti. Donc le packaging est un peu différent des autres. Regardez celui-ci, c'est un peu du racisme je trouve. Faut pas trop que je les tourne. Je crois ils ont dit que c'est très fragile. Ça va en vrai. Hein, par contre niveau livraison, ça a bien tenu. Hein. C'est collé. Ah non, c'est pas collé. Mais ouais, regardez comment c'est vraiment beau. Oh là là, avec le packaging en or là. Je sais pas si ça se mange à la cuillère ça. Pousse-toi le micro là. Je vais me salir les dos et puis on s'en beurre. Hein. On va le prendre en freestyle. Hein. Ouais. Ah et oui. Et regardez une petite touche de colle en dessous là. Ils ont mis de la hu. C'est sucré et salé en même temps. Je crois qu'il y a du caramel beurre salé, je crois. Les gars, je crois que celui-là, c'était 20 euros. 20 euros le cookie, là. Dites-vous, c'est une dinguerie comment c'est cher. Après, c'est un peu... là, il y a un peu une hype dessus. Donc forcément, c'est l'offre et la demande. Après, il y a des gens qui en veulent. Donc les prix augmentent. Ah merde, je crois que le focus, c'était pas sur moi. Je m'attendais à un truc fondant au milieu, mais non. Mmh. Ah si, un tout petit peu de fondant au milieu. Par contre, c'est salé quand même. Hein. Genre, je pense que si tu manges ça en entier, t'es écœuré. D'ailleurs, on va en laisser du coup pour les autres. Alors, les fruits, c'est un peu moi ce que j'attendais. Enfin, c'est un peu le truc qui doit pas me décevoir parce que pour moi, la hype, elle est surtout dessus parce que là, le cookie et la noisette, pas trop ça. Le truc vraiment que je voulais goûter, moi, c'est les fruits. Mais vraiment très très bon, rien à dire. Ah oui, vraiment, les gars, c'est vraiment pas mal. Oh non, la livraison, je me suis porté là et regardez, la pomme elle est cassée en deux. Mais par contre les gars, wesh, t'es mal citron, on dirait vraiment un citron. J'ai un peu le seum, j'avoue, pour la pomme. Mais vous savez quoi, on va la goûter avant les autres. Je sais pas si c'est la livraison parce que les autres sont pas cassés. On va goûter l'intérieur avant de goûter la coque autour là, de la pomme. Donc ça c'est un, je crois que c'est une confiture.
Regardez, ça va tomber. Les gars, c'est... Moi, c'est de la pompote, c'est juste de la compote. Je suis désolé, mais y'a rien de spécial. Vas-y, goûtons la coque. Ah non, les gars, moi, je suis honnête, hein, y'a pas de... C'est cher, donc c'est bon. Ça a pas de goût. Ça a même un goût qui m'écœure un peu, moi. J'aime, enfin, que j'aime pas trop. Ça se voit, c'est du... Comme de la pâte de sucre. Ouais, je crois que c'est comme de la pâte de sucre ou... Comment ça s'appelle? Y'a un goût que je connais. Eh, la tête d'homme, vous allez prendre pour un mec bizarre. Mais ça... Ça goûte, j'ai fait dire ça goûte, t'as quoi que je suis québécois, tabarnak, des cornistes. Ça a le goût de... des ballons de baudruche. On va regoûter, donc là c'est un mélange de la coque, là je sais pas si vous voyez le petit bout vert là, et la purée. 1, 3, let's go, c'est parti. La pomme, vraiment, je valide pas moi. Ah non, c'est bon, c'est un trompe-l'œil, d'accord. Ça ressemble à une pomme, physiquement, mais le goût n'est pas là. La mangue. T'es mal à l'intérieur, wesh. Oh là 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 là. Par contre, c'est vraiment satisfaisant le bruit et la matière, en fait. Ok, c'est parti, les gars. Là, on a pris un peu de jus à l'intérieur mélangé avec la coque autour. 1, 3, let's go. Ah oui. Alors là, pour le coup, on a vraiment un goût de mangue. Même la pâte est différente. J'ai l'impression. C'est une impression, c'est pas sûr. C'est vraiment une impression. Mais même ouais, la pâtisserie, les couleurs et tout. Oh, c'est vraiment beau. Oh, c'est vraiment bien fait. Enfin, genre, c'est vraiment un trompe-l'œil. La mangue validée à 1000%. Ah, pour le coup, les gars, 17 euros, c'est aussi pour l'emplacement et le packaging, les gars. Parce que pour ceux qui savent pas, vous les avez vus dans les plans de après l'intro, j'ai fait des petits plans et on voit que c'est vers la place Vendôme. C'est vraiment collé à la place Vendôme. Et c'est des endroits grave luxueux à Paris pour ceux qui viennent pas de Paris. J'en sais rien, voilà, je vous le dis. Ouais, là-bas, c'est là-bas où t'as toutes les marques de luxe. Genre, bah, juste à côté, il y avait Off-White, etc. Et bientôt, il y aura No Face. Alors, c'est parti, les gars, le citron. Oh là 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 là. La matière autour, elle a l'air vraie. Enfin, la matière de la coque autour là, elle a l'air incroyable. 1, 2, 3, j'ai pris un tout petit peu de jus de citron à l'intérieur. Et j'ai pris surtout de la coque autour. 1, 2, 3, c'est m'énerve. Ah oui. Ah oui, c'est... Ah, c'est du bon citron, quoi, c'est... Ah oui, c'est du citron bien, bien mûr, bien, bien hard. Attendez, je vais prendre juste le jus de citron là. T'es mal, les gars, j'ai pris vraiment là que du jus de citron. Mais pourquoi là? Attends, il faut que je bouge ma tête parce que voilà, la caméra elle est focus sur ma tête. Voilà, là, il y a que du jus de citron, les gars. Là. Ah oui. Oh, attends, faut que je me batte. Regardez, là, j'ai pris un mélange de coque et d'acide. 1, 2, 3, c'est parti. Ah ouais, c'est acide. Vraiment, j'aime bien. Là, pour le coup, il est vraiment bien fait, il a le goût. Les gars, je ramène les invités, à tout de suite, on va leur faire goûter. Alors, Amine, ouais. Tu vas fermer, voilà, donc je présente mon frère, vous l'avez déjà vu. Tu vas fermer les yeux, d'accord. Et okay. Je vais te mettre un fruit dans la bouche, tu vas devoir deviner c'est lequel, d'accord. Tu triches pas, hein. Ah, je te jure, je triche pas, il est où la table. Je triche pas. Non, mais t'inquiète. Ah, pour poser le téléphone. Voilà, donc je vais te faire goûter le fruit. Non, mais attends, là, je prends la mangue. Ah non, attends, mais du coup, je prends pas la mangue. Trop bête. Ouais, je suis bête. T'es vraiment bête. C'est sûr, ça va croquer un peu. Vas-y. Oh, oh, oh. Croque. Ah. Arrête, crache-moi, Amine. Amine, c'est pas un gâteau, ça. C'est un gamin, c'est pas un gâteau, hein. Alors, Amine, je te laisse goûter, du coup, le fruit que tu veux. Ah, on fait pas goûter, non, fais le truc, devinez, non. Non, vas-y, goûte. Ah ouais, non, bien sûr. Goûte direct, goûte direct. Là, ça se passe, comment on fait ça? Ça mange, ça? Ouais, ça va, oui, ça mange. Ça veut? Oh, ouais, ça tue. Ça, c'est de la mangue. 17 euros, 17 euros, doucement, 17 euros. Dis bismillah. T'en penses quoi? Elle est bien. Elle est bien? Attends, dernier bout, là, j'ai pas goûté. Hein. Mais finis pas, hey, laisse pour maman et papa, wesh. Mais où il est bien? Il est bien? Une autre 10? Ça, je sens rien, ça, je sais pas c'est quoi. Vas-y, écoute, goûte l'autre. Lui, je mets 7. 7? L'autre? Ouais. Ça, c'est pomme. Ouais, ça, c'est. Bah oui. C'est vrai. Ça, tu mets quoi comme note sur 10? 7,75. Oh, t'abuses. Allez, donc là, les gars, c'est mamounette cacahuète. Ah, tu dis vraiment, c'est tout pourri, tu dis? Non, t'inquiète pas, si c'est dégueu, de toute façon, j'ai mon gâteau chocolat qui m'attend bas. Voilà. Ah, j'ai ramené. Voilà, j'ai ramené des cuillères. Ah ouais, bah ouais, j'ai ramené. Ah oui, c'est organisé. Wow, il fait les choses bien, tiens, regarde. C'est ma fiche, moi, je m'en fous. Pour chaque gâteau, pour éviter que le mélange. Hop là. Et un pour chaque gâteau, comme ça, c'est. Et il commence à organiser. Et comment t'es bien, c'est organisé. Après, il y a papa, c'est le meilleur pour la fin. Allez, bismillah. Bismillah, hein, elle a dit. On fait pas la tête. Mais dis-nous ce que t'en penses. Mais c'est bon. C'est bon? Après, ça, je crois que c'est du chocolat blanc en fait. Non, c'est pas chocolat blanc, je crois pas. Il y a moi. Un petit... Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est un goût de ballon de baudruche. Vas-y. Oh là là. Ah, le chef. Le blédard. Arrête. Le blédard, il est là. Les
Les gars. Tu veux quoi? Non, je veux que tu goûtes. Tiens, on t'a fait, on t'a laissé une cuillère. Tu goûtes les pâtisseries, tu dis ce que non, t'en mais, penses. Mais moi, je veux le pain pour goûter. Pourquoi? Mais avec de pain qu'ils goûtent les gens, pas avec les cuillères. C'est la raconte. Un dessert, on dit. Ah, un dessert. Ah, d'accord. Avec celle-là ou celle-là, je goûte. Mais c'est pas, c'est la même. Bah, je pense à droite, c'est mieux. C'est mieux à droite. Je récupère l'autre cuillère des fois qu'ils s'embrouillent avec les cuillères parce qu'elle a l'air d'être déjà un peu à l'ouest. Bismillah. Mais tu bouges toute la boîte et, vous avez tout mangé. C'est non, c'est eux. Il ne reste rien là. Vas-y, goûte. Ça, mais tu peux, ça se mange la coque là. Ah, la coque. Ouais, la coque, ça se mange. Y a pas ce blé, hein, y a pas ce fruit. C'est le citron, ça. Bah oui, c'est bah oui. C'est ça le gâteau. Bah oui. Et pour toi, ça vaut 17 euros ça. Attends, tu m'as dit du gâteau là, tu me fais manger de citron. Chaque morceau de gâteau, c'est 17. Ouais. Bon, c'est leur max, ça. Mais non, mais tu sais quoi, je te jure, j'ai plein de fruits à ma place Vendôme. Oh. Place du salon en bas, tu vas voir, il y a des gâteaux. J'ai fait des crêpes et des gâteaux au chocolat. Ça, c'est le harira. Hein? C'est le harira, ça. Mais n'importe quoi, c'est de la pomme. La pomme, ça, c'est un marat, ça. Tu veux du thé? Voilà. Oh, purée. Il a l'air beau, hein. Il a pas de dents, il a dit. Ça croque. Ça croque, bah oui, ça croque. Ça croque, c'est vrai qu'on dit que ça croque. Ah, c'est trop bon ça. Ça c'est bon. Ah, ça c'est le meilleur. Ça c'est le meilleur. Bon, je vais chercher des cafés. Ça c'est le meilleur. J'ai commencé par le meilleur moi aussi après, avant. Ça c'est trop bon. Comme ça, il faut un café avec. Il faut du café avec du thé. Ah, moi ça, tu toucheras. Non, regarde. C'est bon? C'est bon? Non. Ah, non! Non. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une très bonne journée. Merci aux invités qui ont donné leur avis. À la prochaine. Ciao, boys et mères.